encore après qu'une nationale s'adresse au président des clubs et aux Ivoiriens. Après la proclamation des résultats de la FIF qui a donné pour vainqueur Idriss Diallo, les partisans de Didier Drogba ont manifesté leur mécontentement sur toute la toile. C'est dans cette même veine qu'Apukune National, après un long direct sur sa page, a fait cette publication. Voici son contenu. En 2012, quand Dig Arafat était au sommet de son succès, a demandé le stade Félix Houphouët-Boigny pour faire un concert, ils lui ont refusé. Un an plus tard, ils lui ont donné le stade à Peace Square et Chris Brown pour faire leur concert. Ils ont attendu la mort de Dig Arafat pour lui donner le stade pour faire ses funérailles et le décorer à titre posthume. Aujourd'hui, la même chose avec Didier Drogba. Comment peut-on confier un champ à une personne qui ne sait pas lancer une machette? Qui peut comprendre la souffrance des footballeurs que celui qui lui-même a été footballeur? Quand est-ce que les Ivoiriens vont honorer leur artiste et légende? Regardez comme Yaya Touré a quitté la sélection comme un voleur, pourtant il a tout donné pour son pays. Regardez comment Didier Drogba est parti de la sélection, comme s'il n'avait rien apporté à son pays. Jusqu'à quand l'Africain continuera dans cette médiocrité? Didier Drogba, Yaya Touré jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais eu de célébration depuis qu'ils ont pris leur retraite pour les remercier du travail abattu pour leur pays, mais ils attendront leur mort pour organiser des funérailles grandioses, peut-être même au ciel. Vraiment, j'ai mal pour mon Afrique. J'aimerais dire aux dirigeants des clubs que vous n'avez pas fait du mal à Didier Drogba, mais plutôt à vos joueurs et au pays. Vous avez dit oui pour la médiocrité. En éliminant Didier Drogba de cette fédération, vous avez tué le football africain dans son élan au développement sportif et mondial. Didier, tu es un champion et toute l'Afrique est fière de toi. Merci pour ton amour, merci pour ton pays, merci pour le football ivoirien. L'Afrique célèbre que les morts et non les vivants. Appelez-moi la lumière, Apukune le guide. A publié le fils de Blaise Brigitte, Apukune National, sur sa page officielle. Voilà, bonsoir la famille, c'est le Apukune National. Je suis le nouveau ambassadeur de Lys Sassandra. Voilà, les maillots sont finis. Hein? C'est l'ambassadeur qui vous parle. Les maillots sont finis, il n'y a plus de maillot. Celui qui trouve un maillot qui repasse, c'est que vraiment c'est un maillot de fétiche. J'ai à ma présence ici 5 maillots. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, les maillots sont là. Les maillots là, je ne les vends pas. Mais je dis, la personne qui me prend un maillot fait un don de 50 000 francs CFA au club pour soutenir ces jeunes footballeurs-là. Les maillots sont là. Donc si tu viens, je te donne ton maillot, je te donne le numéro de celui qui est responsable du club, tu t'en vas, tu lui fais un don de 50 000 francs, 100 000 francs si tu veux, 500 000 francs, 1 million, ça dépend de tes moyens. Mais néanmoins quand même, la cagnotte commence par 50 000 francs parce qu'il faudrait qu'on se soutienne. Pour se soutenir là, c'est financièrement aussi, c'est important. En ensemble, c'est le guide. Donc ceux qui veulent me trouver, je suis à BNB Ressort. Voilà, venez me trouver à mon hôtel. Le maillot est là. Les grands boucaniers de Côte d'Ivoire, les grands hommes d'affaires, venez prendre vos maillots. Il n'y a pas de maillot, le maillot est fini. Si vous voulez appeler le numéro qui est sur les pages là, personne ne va décrocher même pas le maillot là même. Pourtant même ça a explosé, allez là. C'est le club de l'heure. C'est le meilleur club de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas aucun. Nous tous sommes là-bas. Rendez-vous le 1er mai à partir de 18h au Champrou pour regarder le match de Lys Sassandra Asec Mimosa. Je suis avec le milieu de terrain même de ce club-là. Tu t'y connais? Ouais, respect. Y a pas aucun. En ensemble, merci pour le soutien. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Non, un jeu ballon des joueurs. C'est de ça qu'il s'agit. Biaga.